Et salut tout le monde, c'est Guigui974 et on se retrouve pour un nouvel épisode de la série New Dofus. Donc, on a quand même bien vendu. Je suis monté à plus de 15 millions de kamas, donc là j'ai 19 millions. Nos ventes ont été bonnes, je sais même pas ce qu'il reste en hôtel de vente, mais voilà, on a bien vendu. J'ai réussi à bien monter en kamas parce que j'ai fait aussi du brisa, donc ça je l'ai fait hors vidéo, enfin j'ai pas filmé parce que j'avais fait une astuce sur Danator, ça a bien marché. Je l'ai testé sur Almonster, ça a marché aussi. Hôtel de vente des bijoutiers, donc j'ai brisé les coiffes d'Oishimo. Donc si vous avez regardé la vidéo, vous savez de quoi je parle. J'en ai brisé 5, du coup ça m'a fait pas mal de bénéfices. Et là je vais vendre, enfin j'ai vendu mes runes, etc. Et là en hôtel de vente, il me reste juste ça. Donc voyons, on a quand même bien vendu. Oh, what the fuck. Pourquoi j'ai mis ça? Oula, désolé, j'ai mis un 0 en plus là-dessus. Voilà. Donc, désolé, j'ai dû faire une petite coupure parce qu'il y avait du bruit en bas, ma mère venait d'arriver, etc. Enfin bref, donc comme je disais, on a bien vendu. Donc pour l'instant, je ne vais pas baisser les prix, on va laisser comme ça. On a une bonne base, 19 millions. On verra à la fin combien on va se faire de bénéfices. Il y a des personnes qui me demandent à chaque fois comment je me fais des kamas, est-ce qu'il y a des astuces et tout. Mais à chaque fois, je leur dis de regarder cette série parce que tout simplement. Je me fais des kamas facilement avec bijoutier en craftant des emlettes. Il y en a qui croient que je planifie ce que je vais crafter et tout, mais non, non, je fais à l'aveugle. Donc là, par exemple, je sais même pas ce que je vais crafter, j'ai rien préparé, les mecs. Hein, donc, je regarde juste ma dernière recette. Par exemple, l'amulette qui va m'expé le plus, c'est l'amulette du coriandre. Si je vois que le prix en hôtel de vente est cher, je regarde le coût du craft. Si le craft coûte pas cher, ben, je le fais. Enfin, si le coût du craft est inférieur au prix de vente, je fais et puis basta, il n'y a rien de préparé. Donc on va regarder rapidement ensemble l'amulette du coriandre. On a un peu de temps, on vient de commencer. Amulette du coriandre, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? C'est là. Donc elle est à 1,8 million. Donc le prix moyen c'est 1,5 million. On regarde le coût du crabe. Donc vous faites comme moi. Soit vous prenez la calculatrice, soit vous faites de tête en arrondissant les chiffres. Donc là par exemple c'est 20 000. 25 000 maximum. 25 000 plus 400 000, ça fait du 425 000, 450 000, donc 450 000 plus 250 000, 500, 700 000, 750 000, 750 000, on va pas compter ça, ça coûte que dalle, 750 000, donc là ça commence à monter, ça fait du 750 000 plus 500 000, donc là je prends ma calculatrice, j'ai pas envie de me foirer. Donc, vous prenez la calculatrice, 750 000 plus 550 000, ça nous fait du 1,3 million et les petits vols de fonds joueurs pour 5 000. Donc vous voyez là par exemple, coût du craft 1,4 million gros maximum et je revends 1,8 million. Donc on va partir sur cette amulette, je vais acheter les ressources en hôtel de vente hors vidéo. Bien sûr, je vais essayer d'en craft plus qu'une, je vais essayer d'en craft 2, 3, 4, on verra. Et comme la petite routine, on va briser une juste pour voir le coefficient, voir si c'est rentable de briser. Donc les potos, j'ai fini d'acheter quasiment toutes les ressources. Il nous manque juste 10 petits galets d'acajou. Donc bien sûr, pour ceux qui viendraient d'arriver sur cette série, le coût du craft unitaire sera sur le petit post-it une fois que j'aurai tout acheté. Il m'en faut 10, j'en prends 10. Et donc voilà. Parce que là, de tête, je ne sais pas exactement combien j'ai dépensé. Mais je sais que j'ai dépensé un peu moins que ce que j'avais estimé. Parce que les étoffes de Peki, unitairement, c'était beaucoup moins cher. x10, c'était genre 2 millions, 2 millions 4 même. Et x1, c'était à 120 000. Après, c'est passé à 130 000. Mais voilà, x1, c'est beaucoup plus rentable. Donc, essayez d'acheter les ressources quand c'est le plus rentable possible. Pour minimiser les coûts et maximiser le bénéfice. Donc là, on en craft 5. J'ai décidé d'en faire 5. On est niveau 182. Le niveau 182, c'est l'amulette la plus haute dans mes métiers. Et en plus, elle est rentable. Donc, on va la faire. Comme quoi, XP un métier, c'est pas une corvée. C'est du bénéfice gratuit. Alors, on en a fait 5. On a pris 4 niveaux. On est niveau 186. La petite routine, on va les briser pour voir si on brise les 5 tout de suite ou pas. Je vais juste voir le coefficient. Allez, une amulette, ça me donne 1,1 million. Donc vous voyez, là, c'est pas trop rentable. Le coût du craft m'a coûté 1,4 million, 1,3 million. On se fait un petit peu de perte. Donc on va arrêter là. Les 4 autres, on va les vendre tout à l'heure.
va les vendre tout à l'heure. Donc là, on va continuer à crafter. Donc là, bien sûr, comme chaque épisode, je vais utiliser tous mes kamas pour voir combien de kamas on se fait à la fin. Alors, job. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle recette? On regarde bien sûr les amulettes, c'est le truc qui nous intéresse. Et là, on peut passer sur la racine hueuse. La racine hueuse, 1,9 million prix moyen. Oula, grosse différence de prix là. Très grosse différence. Donc on va faire en sorte, enfin, on va pas compter celle-là. On va se dire que ça commence à 2 millions. Au pire des cas, si le coût du craft se rapproche de 1,3 million, je vais peut-être l'acheter, la remettre en vente. On va voir. Donc moi, je pars sur une base que je peux la revendre 1,5 million, 1,6 million. On va voir le coût du craft. Bien sûr, après, il faut vérifier les prix à notal de vente. Mais si je regarde comme ça, ça fait du 870 000. 870 000. Je prends la calculatrice cette fois parce que voilà. 870 000 plus 50 000. Plus 6 000. Donc on va faire plus 60 000 pour les deux. 930 000 plus 400 000, 1,3 million déjà, donc comme vous voyez, l'amulette à 1,3 million est un peu chelou. On a du 1,330 million plus 240 000 de galets, 1,5 million, et le reste ça coûte pas trop cher normalement. Voilà, plus 20 000 en gros. Donc on arrive à du craft qui coûte 1,6 million. Le seul truc que je vais vérifier, c'est ça, parce qu'il me semble que le prix est un peu erroné sur cette ressource, du moins sur Danator, c'est le cas. C'est le cas. Donc j'ai une petite fourmi sur mon ordi là, cassez-vous, putain. Alors, racineuse, donc si c'est vraiment le prix, on va pas peut-être faire cette amulette, elle a pas l'air trop rentable. Racine. Par contre, l'amulette à 1,3 million, j'ai bien envie de l'acheter, la remettre en vente, vous voyez, ça nous ferait un petit peu de bénéfice. Vous voyez? Faut vérifier les ressources, faut vérifier. Du coup, avec une valeur estimée de 870 000, ça nous coûtait 1,5 million. Donc je vais retirer les 870 000 du coût du craft et je vais rajouter 400 000 à la place. Donc moins 870 000, ça nous revient à 720 000 le craft, plus les 400 000 pour la racine. Et là, le craft, au lieu d'être à 1,6 million, je crois, il passe à 1 100 000 à peu près, 1 150 000. Donc là, c'est rentable. Par contre, il faut voir combien il y a de racines à 400 000. Je vais en acheter avec vous. Donc on en a pu avoir une, deux, trois. Je vais partir sur une base de 5, comme d'habitude, même si c'est un peu risqué. J'ai pas regardé si les autres ressources y avaient en vente. 5. On va en crafter 5. 5, c'est pas mal. Et le reste des ressources, j'achète hors vidéo. Sinon, ça va prendre un petit peu trop de temps. Donc, à tout de suite. On en fait 5. On est niveau 186. Je pense qu'on passe 190. Bon, ça bug un peu. On a 190. Les mecs, il nous manque 10 levels. Et mon petit hop niveau 156, niveau 56, pardon, aura bijoutier niveau 200. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est pas magnifique. J'ai commencé cette série, j'ai débuté de rien. Je rappelle, débuté de rien. Et je suis déjà millionnaire. Atelier des forgemals. Le coût du craft se rapproche plutôt à 1,2 million. Il faut que je gagne au moins 1,2 million de runes. 1,2 million de craft. 1,2 million. Donc on n'est pas vraiment perdant. On n'est pas vraiment perdant. Mais on va pas faire plus que ça. Je vais essayer de maximiser le bénéfice en vendant un hôtel de vente. Je pense que ça se vendra un peu plus cher. Maintenant, on est niveau 190. Qu'est-ce qu'on peut craft, les poteaux? On va regarder ça ensemble. Il me reste 9 millions de kamas, je crois, à peu près. Ok, on n'a pas débloqué masse d'amulettes. La nouvelle amulette, c'est l'amunite. 1 million prix moyen à Tibia du guerrier Zod. Ça, par contre, ça coûte une blinde. Du coup, si c'est vraiment son prix et que l'amulette est pas chère, je vais pas craft celle-là parce que ça va pas être rentable du tout. Il y a quelque chose qui cloche. Je vais acheter l'amulette, je vais aller la briser. Généralement, quand c'est comme ça, le coefficient est plutôt bon. Je peux peut-être me tromper. Ça, c'est valable sur les serveurs pourris. C'est la technique que j'ai utilisée pour briser la coiffe, justement. Parce que je remarque souvent quand il y a des trucs chelous. Donc là, je vais juste briser une. Je vais peut-être faire une perte, mais voilà.
1,5 million, enfin 1,50 million plutôt, 1 million, c'est pas 1,5 million. On va aller la briser. On va aller la briser, il faut que je regagne 1,50 million. Moi je pense qu'il y a moyen que je dépasse 1,50 million. Il y a un truc chelou qui se passe sur cette amulette là. Le prix du craft est trop cher. Et en hôtel de vente, c'est pas assez cher. Donc ça c'est chelou. Pourquoi je bug? Ça m'énerve là. Mon ordi s'est mal démarré ou quoi? Alors, 1,50 million. Mais lol, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je veux pas te fusionner, je veux te briser. Alors, 1,50 million, combien je vais avoir de win? Ouais, ok. C'est merdique, c'est merdique. C'est assez chelou quand même. Hein. Je sais pas pourquoi c'est aussi peu cher alors que le coût du craft coûte super cher. Ça coûte super cher. Bon, on s'est fait une petite perte de 200 000. C'est pas super grave. Avec toutes les amulettes que j'ai, je vais facilement rattraper. Du coup, bon, on va repartir sur les crafts. Qu'est-ce qu'on peut crafter? Ça, on ne craft pas. Ça, on a déjà crafté. On va peut-être se pencher sur l'amulette Héroclite. Ça coûte assez cher, je pense. Écumeuil de Minotaure. Ça, j'en ai acheté pas mal. Je sais pas si on aura encore suffisamment en hôtel de vente. On va voir, parce que ça se vend que par 10. Donc les mecs, j'ai fait une coupure. En toute logique, je crafte cette amulette x5 si je peux. Sinon, j'irai sur celle-là, par exemple, la ripage. On verra, donc je fais une coupure et on se retrouve pour le prochain craft. Alors, relais poteau. Donc, je devais crafter l'amulette Héroclite. Sauf que vu le coût du craft et le prix de vente, c'est pas rentable. Donc, je me suis repenti sur l'amulette ripage. Mais encore une fois, vu le coût du craft et le prix de vente, c'est pas rentable du tout. Du coup, l'amulette du Coriolan, on a déjà fait. Je me suis dit, je vais faire des Zougamulettes. Ça se vend 1 million à peu près. J'ai calculé du coup le coût du craft avec les prix moyens estimés. C'était à 840 000. Sauf que l'Oisulette, là, je sais pas comment on prononce, j'ai calculé avec un prix moyen de 530 000. Mais en vérifiant le prix, c'est beaucoup moins cher que ça. C'est beaucoup moins cher que ça. C'est à 240 000. 250 000 pour faire. Voilà, un tas de différence. Donc, du coup, si je retire les 530 000 de la valeur moyenne, mais que je rajoute les 250 000, là, le coût du craft passe à 560 000. Donc, on se fait quasiment un double bénéfice. Là, il y a moyen d'avoir peut-être une astuce. Parce que là, même si j'ai un coefficient pourri, il me suffit juste d'avoir 5 runes PA et je serai rentable. Donc, on se retrouve pour son craft. Je vais acheter les amulettes. J'ai pas envie d'aller les crafter. Si je les craft, je me serais fait sûrement plus de bénéfices. Parce que voilà, ça coûte pas si cher que ça. Mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. Du coup, je vais en acheter 5. On va aller en crafter 5. Bien sûr, je rappelle que là, j'ai plus de pods. Donc, je vais déposer toutes ces ressources en banque. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je compte pas dedans. Il y a des trucs en trop. Attendez, on va faire ça ensemble pour être sûr. Après, on va crafter 5 Ougamulettes. S'il y a un coefficient qui est pas mal et qu'on peut se faire pas mal de runes, je vais faire full Ougamulettes. Hein. Il y a moyen de faire un bon coefficient. C'est pas super cher l'amulette à crafter. 600 000 maximum. Alors, ça compte pas. Les roses non plus. Et le substrat de forêt que j'avais fait aussi pour me faire pas mal de bé. Pardon. De bénéfices. Donc, il y a le substrat de forêt, il y a moyen de se faire du bénéfice. Donc, j'en avais crafté 100. Je vends petit à petit. Donc voilà les ressources en trop et les runes que j'ai eues qui comptent pour 3,3 millions. Donc on retient 3,3 millions qu'on va rajouter au récapitulatif à la fin. Donc je vais acheter les ressources et crafter les Zougamulettes. On se retrouve tout de suite après. Amis, c'est terrible ce qui se passe. Il m'en faut 75 et il n'y en a aucun x10. Je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort. Aïe aïe aïe. Heureusement que j'ai pas trop acheté de ressources, mais ça m'embête, j'aurais bien aimé crafter les 5. Peut-être pour en crafter une, mais voilà. Ça m'embête. Est-ce que je vais pouvoir avoir 75? J'ai un gros doute. Donc je vais couper, c'était juste pour vous montrer ça, mais je pense pas avoir les 75. On verra. Les poteaux, j'ai pu en avoir 66 en hôtel de vente.
Je suis parti en banque, j'ai passé un petit message et il y a quelqu'un qui en avait neuf, il me les a vendus. Et je lui ai dit je t'aime, tu vois, parce qu'à chaque fois qu'il manque des ressources et qu'il y a quelqu'un qui peut me sauver, c'est un sauveur. Les gens comme ça, c'est des sauveurs pour moi. Donc du coup, on va peut-être pouvoir faire nos 5. Il y a peut-être moyen. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Alors, 4 et 5. Allez. On va les crafter. On va les crafter. Atelier des bijoutiers. Donc si jamais l'épisode est trop long, je vais faire des coupures. Normalement, ça devrait le faire. J'ai pas trop perdu de temps, mais bon, ça se peut. J'aime pas quand ça dépasse 20 minutes, tu vois, parce qu'après, c'est un peu trop long pour vous. Allez, on craft les 5. Donc voilà, on la craft la dernière. Donc c'était un petit peu long, j'aurais fait une coupure, je pense. Combien on va se faire? Il y a 740 000. Normalement, je suis en bénéfice. Donc ça, c'est déjà bien. Le coefficient est pourri, mais on est en bénéfice. Mais je vais essayer de les vendre en hôtel de vente, tu vois, parce que là, je pense que le coefficient, il va baisser un petit peu trop, même s'il est déjà très bas. Du coup, on va plutôt les mettre en hôtel de vente. Et il nous reste 3 millions 9 de Kama. Donc il y a moyen de se faire encore un truc. Ça va être la dernière amulette que je vais crafter, je pense. On est 192 et là on peut craft la frime amulette. Waouh, la frime amulette. 7 000, on va arrondir à 10 000. Toutes les ressources qui sont inférieures à 10 000, j'arrondis à 10 000 au moins, on s'en fout. Donc là on va dire que c'est 20 000 quand même. 20 000, 30 000, 400 000. 400 000 plus 400 000, 800 000, 850 000. On est sur du 900 000 de craft. 900 000. C'est pas super rentable, tu vois. C'est pas super rentable. Surtout que ça, c'est la vraie valeur. C'est peut-être même un petit peu plus cher. Ouais. Bon, les potos, vous savez ce qu'on va faire? Je vais en crafter 4. Vu que normalement, avec 3 millions 9, j'aurai assez pour crafter 4. Là, je suis d'accord, c'est pas rentable, mais c'est pour up le métier. Au moins, on va arriver genre niveau 195 et on aura quand même des nouvelles recettes pour le prochain épisode. Donc là, si vous voulez être sur la rentabilité, vous faites pas celle-là, mais moi, ça va être là pour l'XP. Donc, on se retrouve pour le craft. Je vais peut-être en briser une et on se retrouve tout de suite après. Donc, re les amis, j'ai fini d'acheter les ressources. Comme d'habitude, il manque les petits galets. Donc là, il m'en faut 3, 3 fois 4, 12, 12, 12. C'est des galets brésiliens cette fois, ça coûtera un peu plus cher. Donc, j'ai fini d'acheter les ressources. J'en avais oublié, je suis désolé. Donc là, on est bon. Là, on va craft les 4, enfin. Voilà. Et on va tester deux brisées. Une. Et notre métier passe niveau 196. Donc pour le prochain épisode, vu que là j'ai plus de Kama, vous voyez, il va falloir que je vende tout ça. Dans le prochain épisode, on a 200. Donc ça c'est déjà bien. On va faire des grosses amulettes. Et on va commencer sûrement par la Nilesa. Ça a l'air pas mal ça. 4 millions 6. Prochain épisode, il va être cool, je pense. Ça va être des grosses amulettes. Donc là, on va aller briser une amulette. Donc, on se retrouve pour le brisage de l'amulette. Donc, j'ai fait une petite coupure parce que là, mon ordi il bug un peu. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, il nous faut 1 million de runes. On a eu 1 million. Donc, c'est bien. Mais, est-ce que je l'ai mis en hôtel de vente? Là, ça va baisser le coefficient. Donc, oui. Je vais mettre en hôtel de vente. Sinon, ça va passer à 900 000 de runes. Et voilà, je pense qu'on va en tirer un petit peu plus en hôtel de vente des bijoutiers. Donc on va mettre tout ça en vente et on verra combien on se fait de Kama. Donc on est à l'hôtel de vente, donc on a 1 155 000.
que je vais retirer du montant total à la fin pour pas oublier. Voilà, je l'ai mis dans ma calculatrice. Attendez, j'ai fait une erreur. 1155000. Alors, on va mettre en vente tout ça et on verra combien on se fait de bénéfices. Au début, j'avais 18 millions, il me semble. Donc là, on va mettre ça à 980 000. On va pas trop casser les prix, tu vois. Je vais me faire quand même un petit peu de bénéfices, surtout qu'il y a la taxe à payer. Allez, on en a mis une. On va mettre tout. Donc voilà. Maintenant, les Zouga Mulettes. Donc là-dessus, je pense que c'est la mulette où j'aurais fait le plus de marge. On va mettre ça à 950 000. 950 000, c'est bien. Donc on met les 4 qui restent. Voilà. Maintenant, la racine hueuse. C'était celle-là où il y avait une à 1,3 million. Ouais, rappelez-vous, il y avait une à 1,3 million. Bah, comme quoi, elle est partie. Elle est partie. Donc là, on va mettre bah, 1,5 million. 1,5 million, c'est bien. Ouais, c'est bien. Il y a du bénéfice. Donc cet épisode, on aura fait quand même du bénéfice. Hein, mais moins que les autres, je pense. Mais bon, là, ça a été plutôt pour XP le métier, on va dire. Ah merde, oh putain. Les gars, heureusement que j'ai vendu des runes. Heureusement que j'ai vendu des runes. Donc je vais prendre des kamas parce que j'ai plus de kamas. J'ai plus de kamas. Ça, c'est con. C'est con, c'est con. Donc, re les amis, donc je suis parti prendre des kamas en banque. Heureusement que j'en ai un peu. Sinon, j'aurais pas pu tout mettre en hôtel de vente. Donc, on continue à mettre en vente. Hein. On blinde les hôtels de vente. Donc, celui-là, on va pas trop baisser. Je sais plus combien il m'a coûté en craft. Mais bon, on s'en fout. On va se fier au prix de l'hôtel de vente. On va baisser un peu, tu vois, mais pas des masses. On va mettre à 1,7 million. Au pire des cas, si quelqu'un baisse, bah vous rebaissez les prix à chaque fois, vous voyez. Pour rebaisser le prix, ça coûte que la moitié de la taxe, vu que l'objet est déjà en hôtel de vente. Donc, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Je vérifie que j'ai tout mis en vente. Voilà, normalement, on a tout mis en vente. Alors, le verdict, mes potos. Donc déjà, si je fais les 20 millions... Non, donc 20 695 000... moins les 1 150 000 de tout à l'heure, 20 695 000, on se fait déjà 19 500 000 de bénéfices. Donc là, on est déjà en bénéfice rien qu'en vendant les amulettes. Un bénéfice tout petit, 1,5 million à peu près, mais voilà. Sachant qu'on a encore 1,8 million de runes plus des ressources. Donc, on va dire que j'avais 18 millions au début, hein, je sais plus exactement combien j'avais. Attendez, j'avais 19 500 moins 18 millions des kamas de départ. Donc on est sur des bénéfices pour 1,5 million à peu près, plus 1,8 million de ressources et de runes, même si c'est plus des runes que des ressources. Plus les 3,3 millions du début, rappelez-vous, on avait déposé en banque. On se fait 6 600 000 de bénéfices dans cet épisode. Donc c'est quand même pas mal. En fait, le bénéfice est plutôt bon. On a fait plus que les autres épisodes. Donc là, 6 600 000. Donc là, c'est cool. Donc si je vends tout ce que j'ai en hôtel de vente, on se fera 20 millions plus 5 millions normalement si j'arrive à vendre toutes les runes que j'ai là plus en banque. Mais ça, c'est assez rapide. Les runes, vous voyez, ça part comme des petits pains. Donc normalement, pour le prochain épisode qui devrait sortir plutôt dans une semaine, parce que voilà, les amulettes haut level, ça part, mais ça part pas aussi vite que des petites amulettes à 700 000, 800 000. Dans une semaine, normalement, on repart sur un nouvel épisode où je up niveau 200 et j'aurai 25 millions de kamas pour craft des nouvelles amulettes. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, de voir un peu la progression du Yop qui a démarré de rien, je le rappelle. Peut-être que si j'ai 25 millions de kamas, je vais utiliser une nouvelle fois tous mes kamas pour crafter des amulettes. Et peut-être qu'après, avec les prochains kamas, je vais acheter des pierres Ben. On va aller XP un peu parce que voilà, mon Yop il fait un peu pitié. J'ai envie d'avoir au moins une petite panneau Ayardala, tu vois, pour être classe. Et avoir la fameuse épée céleste. Vu que je le rappelle, mon Yop je le veux en mode air, pour être un peu original. Donc si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire si tu as des questions. Et on se retrouve pour le prochain épisode, c'était Geek du 974. Ciao !